Après cette intro dégueulasse, je vais vous montrer mon premier épisode des achats mensuels, tout ce que j'ai trouvé pendant le mois de février. Il faisait chaud là-dedans. Et oui, c'est la première fois que vous voyez ma tête, donc voilà. Donc salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai oublié le salut. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes achats mensuels, donc tout ce que j'ai trouvé ce mois-ci. Donc pour ce premier épisode, j'ai pas mal de choses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé aujourd'hui à Maxi Game. Pour 20 euros, j'ai trouvé Rayman Origin à 10 euros sur 3DS. En occasion, mais bon, je vois pas pourquoi j'irais le prendre neuf alors que les cartouches sont très solides. Voilà, donc 10 euros, c'est pas cher et c'est un bon jeu. Je suis déjà au troisième monde, je crois. Et le Elder Scrolls 5 Skyrim que j'ai pris à 10 euros. Ce jeu est une tuerie. C'est un excellent RPG. Au début, je le voulais pas et quand je le voulais, il n'y était plus dans les magasins, il était plus à Micromania et tout. Donc, là, j'ai chopé à 10 euros. Donc, je suis très content. Parce que ce jeu est une bombe. Regardez combien il a été noté. Excellent RPG, franchement. Une tuerie. Les achats à Games. Donc j'ai 4 jeux fort sympathiques. Tomb Raider Underworld. Il m'a un petit peu déçu celui-là, mais il est quand même sympathique. Donc je l'ai eu à 4,80€ à Games. L'excellent Diablo 3 que j'ai eu à 9,60€ à Game, ça c'est une... Rien à dire, une bombe. Le dernier Devil May Cry sorti sur Xbox 360, il va sortir une édition PS4 je crois et Xbox One aussi. Donc franchement si j'ai une des deux consoles je me le prendrai parce que ce jeu est magnifique. C'est une tuerie. 9€ à Games. Hop. Et The Evil Within, mon coup de cœur de l'année 2014. 22€ à Games. Donc je l'ai acheté d'occasion. Mais regardez l'état. Complètement neuf. Un jeu neuf au prix d'occasion. Ça c'est génial. Vous voyez toutes les bagnoles là. Parce que je suis fan de voitures. Voilà, donc état nickel pour prix d'occasion. Et en plus, le petit code pour avoir du contenu supplémentaire n'a pas été utilisé. Donc je pense me refaire le jeu. Hein, parce que c'est vraiment... Il tue. J'entends quelqu'un dire que ce jeu c'est de la merde. Je vais chez lui, je le viole. Ah oui, je le prends, je le viole, je m'en bats les couilles. Ce jeu, c'est une bombe, personne peut dire que c'est de la merde. Oh putain, il faut que je me calme. Donc Total à Games, donc 15 euros avec Tomb Raider Underworld et Diablo 3, donc j'arrondis. Et 22... Alors, 15 plus 31, donc on va faire 15 plus 30, 45, 46. À Games plus le 20 euros à Maxi Game. Maintenant, il n'y a que du Micromania. Ou Micro-Arnaque. Ou Escromania. Alors, j'ai trouvé Singularity. À la base, il était à 5 euros et on me l'a offert. C'est un très bon FPS que j'ai beaucoup aimé. Dark Sector, donc c'est un petit jeu d'action à vue TPS qui est assez sympa. Donc, il est pas super, mais il est assez sympa. Pour 5 euros. Toujours chez Micromania. Ah, là, il y a du bon, là. Je pense que vous allez le reconnaître. Condemned, édition classique dégueulasse à chier. Il était dur celui-là. Donc ce jeu est vraiment énorme, une grosse tuerie. Donc dommage qu'il est un peu vieux. Donc le 2 est beaucoup moins bien parce que les éléments qui ont fait le charme de cet opus ne sont pas présents dans le 2. Donc j'ai fait un petit top 5 de mes survival horror préférés. Allez voir! Et donc dernier truc, c'est le collector de Evil Within sur PC. Donc je l'ai payé 35,9€ sur Blister Micromania. Le problème, c'est que le jeu ne marche pas sur mon PC. Donc en fait, mon PC est assez puissant, mais il faut un Windows 8 64 bits et j'en ai un 32. Je suis vraiment dégoûté, mais bon, je peux me le racheter sur 360. Donc bah du coup. Ce sera une présentation ASMR pour ma collection. Et le dernier jeu, Batman Arkham Origins, un excellent jeu. Je m'attendais pas à une grosse bombe sur la série Batman. Donc très très bon. 10,09€ sous blister sur Micromania sur PC. Donc très très bonne affaire. Donc le total s'affiche. Donc je vous dis